Alors, aujourd'hui, au programme, nous avons les nouvelles de Clairet, notamment avec Charles qui va vous parler de sa barrière, les tours de magie de Virginie, et puis Charles aussi vous propose une activité plantation un peu particulière, et j'ai une abeille dans les cheveux. Elle mange ma fleur. Bonjour les enfants, alors aujourd'hui nous allons planter différentes choses afin de savoir ce qui pousse le mieux. Nous allons commencer par une banane pour essayer de faire un bananier et on va voir si ça marche. Et alors on va aussi planter des œufs en chocolat pour essayer d'avoir plein de chocolat, comme ça on sera super heureux. Et si on veut avoir plein de trésors dans la vie, on va essayer de planter un trésor pour faire un arbre à trésors. On va voir si ça marche. Et on a aussi des graines d'artémisia que nous allons planter. Et l'artémisia, ça a du sens. Ça guérit d'une maladie qui s'appelle la malaria, qui est très populaire, très fréquente en Afrique. Et elle permet de sauver des milliers d'enfants. Et ça a du sens parce que nous, ici, ça pousse très bien. Alors du coup on va en profiter pour en planter à côté de mes chocolats et mes bananes et mes trésors. Let's go pour la plantation. On voit pas les graines, elles sont toutes petites, c'est les graines d'artémisia. Je vais les planter là. Voilà, je vais planter ma banane ici. Voilà, je vais planter mon chocolat ici à côté de la banane. Et on va ouvrir les trésors parce que tous les enfants aiment les trésors. Et on verra ce qui poussera la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ou en fait dans 4 semaines. Pour le tour d'aujourd'hui, il faut un verre, une pièce de monnaie, et je vais faire en sorte que la pièce de monnaie passe au travers le fond de mon verre et se retrouve à l'intérieur. Et voilà. J'explique le truc demain, et là il est temps d'expliquer le truc d'hier. Oui, donc hier c'était le tour avec les boulettes de papier. Rappelez-vous, je les faisais disparaître et en fait le truc pour ce tour, c'est qu'il y a une 5e boulette qui est cachée sous ma main. Et donc quand je pose mes mains, eh ben, en fait j'emporte une des boulettes et je laisse les 2 autres. Et ainsi de suite. Donc si je veux déplacer celle-là là-bas, j'ai une boulette sous ma main et donc je peux la laisser et embarquer l'autre dans la paume de ma main. Et ainsi de suite. Donc hop, voilà. Alors aujourd'hui nous allons aller au Sénégal qui se trouve en Afrique et en fait le thème c'est le bonheur et le malheur. L'activité sera de lister tous vos petits bonheurs de la vie même s'ils sont minuscules. Et voilà.